Eh bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement j'ai voulu vous faire une vidéo supplémentaire cette semaine parce qu'on atteint les 200 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous d'être là. Donc la chaîne aura un an début septembre. Voilà, on est à 200 abonnés, donc c'est un premier palier. C'est pas encore la folie furieuse les amis, mais c'est bien. Je suis ravie, moi, de voir que les gens viennent et que bah il y a plus en plus de vues, etc. C'est plaisant. Bon, après, il y a beaucoup de majorités silencieuses, on va dire, dans les commentaires, mais voilà, enfin, ça fait plaisir. Donc, merci à tous, tout simplement. Donc, l'aventure modée, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Donc, voilà, il y a un moment qu'on me demande de faire du modé, tout simplement. J'avais dit que j'en ferais à un moment donné. Donc, début juillet, j'ai joué avec des petits gars sur un mode pack très technique. Parce que j'étais invitée, c'était très sympa. Les gars avec qui je me suis mis étaient des fous furieux, ils étaient très gentils, mais des fous furieux, ils ont fait de ces machines, je n'ai rien, je n'ai pas eu le temps de tout comprendre, les amis, voilà. Donc je me suis dit, Hello, tu peux pas danser dans un gros modpack technique sans avoir vu déjà la base des modes, quoi, tout simplement. Donc mon modpack est très simpliste, il y a quelques modes techniques, il y a beaucoup de modes d'exploration, parce que j'ai envie de visiter des donjons, il y a des dimensions, avec Aroma qui permet d'ajouter une dimension minage, il y a... des mobs d'ambiance, de son, des bruits de nature, etc. Parce que je trouve ça juste top. Juste un item qui est la base des modpacks, bien évidemment. Donc vous voyez, il y a quelques modes. Donc il y a des modes qui rajoutent beaucoup de agriculture. Il y a des modes qui rajoutent beaucoup d'animaux, qui rajoutent des mobs hostiles également. Il y a la Twilight Forest parce que j'ai ajouté de nouvelles dimensions. Il y a Astral Sorcery qu'on essaiera de développer au cours du modpack. Architecture Craft, donc beaucoup de décoration aussi, d'architecture, tout ça. Et voilà, donc là je défile globalement, mais voilà, c'est varié. Donc Tinkers, qui sera certainement dans le deuxième épisode, ce qu'on commencera à faire, parce que je pense que c'est la base. Donc les Iron Backpack pour avoir les backpacks, j'ai ajouté de quoi avoir un jetpack, etc. Mais il va falloir créer d'énergie pour pouvoir recharger notre jetpack, etc. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là, mais c'est plutôt génial les amis. Donc on va s'arrêter là, donc c'était juste une présentation vite fait des modes. Mais sachez que vous aurez en description le lien pour télécharger le modpack si vous voulez jouer dessus. Donc je suis en 1.12.2 tout simplement. Donc j'ai joué sur cette map à peu près une vingtaine d'heures pour voir un peu si ça allait pas crash, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire le modpack. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de crash, mais là aujourd'hui il fonctionne très bien. Donc aventure modée, on va l'appeler tout simplement parce que je n'ai pas d'imagination pour les noms. Je vous l'ai déjà dit, je suis une calamité. Donc ça s'appellera comme ça. On va mettre les commandes parce que je vais enlever le fait qu'il y ait la propagation du feu pour les futures constructions. Ce sera plutôt agréable. Donc il faut savoir que pour la génération, je vais utiliser le mode réaliste. Je sais plus quel mode l'ajoute, mais je sais que j'ai ajouté le mode traverse qui rajoute certains biomes qui sont vraiment assez beaux, qui font assez automne, etc. Et l'herbe est particulière. J'aimerais bien m'installer dans un de ces biomes, mais on verra si on en trouve un. Donc, on va appeler l'acide Biniou, parce qu'à l'époque, quand je disais ça, quand je jouais avec des gosses, ça les faisait marrer. Parce que moi, quand je vois un mob, je dis que c'est un Biniou. C'est tout, c'est comme ça, c'est... Je pose, j'ai toujours dit ça, je pose, ça me plaît, ça me fait rigoler. Donc voilà, on va créer le monde. Donc je vous retrouve dès que j'ai un petit peu généré celui-ci, les amis. Et voilà, les amis. Le monde est créé. Donc j'ai mis la game rule pour le feu, hein, bien évidemment. Comme ça, on n'aura pas de propagation du feu. Donc c'est parti pour cette aventure, les amis. Oh, je kiffe avec les petits sons d'ambiance et tout. C'est vraiment très très kiffant. Donc on va essayer de trouver un endroit où on ait des arbres un peu plus classico-classiques. Voilà un petit chêne des familles normales. Alors vous voyez avec les petites bûches qui sont arrondies et tout comme dans la réalité, je trouve ça plutôt sympa. Je sais plus c'est quel mode qui fait ça, mais vous voyez on avait vu des oiseaux et tout. Enfin vraiment je trouve ça très très sympa. Ça va être vraiment kiffant de faire cette petite aventure et de découvrir les modes que j'ai mis ensemble et de se mettre à l'aventure quoi. Donc je suis très nulle en modé, je sais pas si je vous l'ai déjà dit du coup. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience en modé, donc je vais faire de mon mieux pour faire des épisodes sympas et tout. De varier à la fois la découverte des modes techniques, à la fois du build et à la fois faire de l'exploration des donjons, etc. qu'il y a parce que j'ai rajouté pas mal de structures. Donc il y aura quand même pas mal à visiter. Donc là, pour le début, je vais essayer de trouver tout simplement un endroit où on puisse s'installer, un village. Mais à terme, je voudrais trouver un biome du mode traverse.
Donc là, ça n'a pas encore poussé, mais je crois que ça doit être un cerisier. Ah non, c'est un prunier. Vous voyez, on a des petites prunes. Et ça va être cool. Alors, je ne vous ai pas parlé de mon projet sur l'aventure. Donc, mon projet sera tout simplement, les amis, de faire un ranch digne de ce nom. Avec des chalets, avec des endroits où il y aura des champs, il y aura des granges, des endroits où il y aura des animaux. Un endroit où il y aura... un vignoble, un endroit où il y aura par exemple une zone avec beaucoup d'arbres, voilà. J'ai vraiment envie de faire un ranch. Avec le modèle, ce qui est bien, c'est qu'on a plus d'agriculture, plus de trucs, et du coup ça va être beaucoup plus simple de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, on a nos premiers morceaux de bois, donc on va se faire notre petite table de craft que l'on va mettre direct pour avoir la table d'artisanat de Tinkers, comme ça on sera bien les amis. Alors, on va se faire tac 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 une petite hache parce qu'on va encore casser un peu de bois, et on va se faire une pioche pour pouvoir ramasser après nos premiers morceaux de pierre. Alors c'est parti. Il faut qu'on trouve vite fait également des petits mobs à buter, histoire d'avoir un peu de bouffe. Parce que là, avec la prune et la pomme, on va pas aller loin les amis, je vous le dis. Alors, au niveau de la difficulté, pour l'instant, je suis restée en normal. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop si je la laisse en normal ou si je la mets en difficulté difficile. Vous voyez, un cran au-dessus. Je sais pas. Donc, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Clairement. Voilà, parce que si la difficulté est plus dure, bah, automatiquement, au niveau des donjons, ça sera beaucoup plus corsé. Mais bon, après, voilà, c'est... Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien, je dis. Hop. Alors voilà, on a un petit peu de bois. Non, lui, je vais le laisser parce qu'il a l'air un peu casse-pied. Alors, on va essayer d'aller par là, voir un peu ce qui se passe. Alors, vous voyez franchement les petits sons d'ambiance. Alors voilà, on a des oiseaux. Donc, je sais pas comment ça se passe. Je sais qu'on peut récupérer des œufs. Mais alors, après, comment ça se passe? Je ne sais pas. Oh, des petits flamants roses. Oh, c'est kiffant. Non, mais je vous ai rien fait. Commencez pas à vouloir me cracher dessus, je sais pas quoi là. Je n'ai rien fait. Ah là là, on dirait ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, je me lasserai pas d'entendre des petites musiques comme ça, c'est juste adorable. Hop, allez, des petites baies. Hop, on peut récupérer les buissons, viens là, les buissons. Hop, merci les buissons. Ah, il y a des petites ruches. Et là, son casse-ça, on obtient pas mal de trucs différents en agriculture. Bon, je vais pas me blinder mon inventaire avec tout ça, mais je vous explique un peu. Alors, on va essayer de se balader. Ah bah là, il y a un endroit où il y a un peu de cobble, de pierre. Donc on va casser, comme ça on va tenir de la cobble. Et c'est parti. Non, ça c'est dans des îles. De la pierre, s'il vous plaît. Bon, allez, on va se bouger de là. Oh, un trou, les amis. Ah bah, un trou avec du charbon, pardon. Alors, pendant un moment, mon cerveau a bugué. Je ne sais pas, les amis, j'ai cherché le mot charbon. C'est un peu what the fuck, là, dans mon cerveau, présentement. Hop. Alors. Hop. On va encore récupérer une dernière cobble, histoire de se faire une petite pioche. Tac, une petite pioche en cobble pour ramasser notre charbon, et on va se faire tout simplement un petit four des familles, les amis. Pour le moment, j'ai rien à faire cuire, mais au moins notre four est fait. Hop, c'est parti. Ah là là, les amis. Je sais pas vous, mais moi je kiffe commencer les débuts d'aventure dans Minecraft, j'aime bien. Je m'en lasserai jamais, je pense. Du début d'aventure où t'as rien, où t'es obligé de y aller avec tes petites menottes, à aller chercher tout et tout, où t'as que dalle. Ah, ça c'est du copper, d'immersive engineering. Alors, notre premier minerai. Hop. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe par là? Donc du marbre. Ok, il y avait juste ça. Bon, au moins ça nous a permis d'avoir nos premiers morceaux de charbon. Oh, un coq les amis. Ah, je vais pas te toucher, t'inquiète. Pour le moment, j'aimerais trouver un petit endroit où il y a un trou de trousse. Un trou de trousse. Nice, un trou de trousse.
Alors, on va essayer de se trouver des petits trucs sympas, histoire de pouvoir commencer un peu l'aventure, commencer un petit peu de stuff. Mais voilà, j'aimerais trouver un village, voilà, comme je vous ai dit, comme ça on pourrait s'installer dans le village, avant que je puisse trouver le biome où je voudrais vraiment faire le ranch, histoire de pouvoir attaquer bah, après nos premières constructions, etc. Donc j'aimerais vraiment faire un ranch un peu à l'américaine, vous voyez. Donc je pense qu'on va utiliser pas mal de blanc et de rouge pour faire les granges, des trucs comme ça, pour faire vraiment typiquement américain. Hop, donc là ça a eu un petit freeze, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un léger freeze. Bon écoutez, pour le moment ça a l'air de tourner, donc moi ça me va. Hop, alors il y a des minerais ici. Ah par contre on n'a pas encore de lit. J'ai obtenu quoi là? Extra utility. Ok. Bon, ouais. On verra en temps voulu ce que ça donne. Donc la map est un peu buggée parce que il avait généré un peu la map que j'avais avant, j'ai l'impression. Mais écoutez, à force que l'on va se balader, il va générer la bonne map et ça ira. Et ça ira très bien. Nos premiers morceaux de fer. Hop, on est plutôt bien. Oula, une faille. On va pas s'y risquer. Très clairement. On ne va pas s'y risquer. Là, ce que je voulais, c'était vraiment du fer pour pouvoir me faire un saut, etc. Ah, il y a une araignée là-bas en bas. Et il y a un loup en squelette, j'ai l'impression. Ça me fait penser à ça, en tout cas. Bon. Ça me fait un peu penser à ça, les amis. On va pas se mentir. Alors, hop. On va casser un peu de charbon. On aura besoin. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ouais, bah écoutez, au niveau du rythme de diffusion, j'ai pas dû en parler. Il n'y en aura pas pour le moment. Je sortirai un épisode quand je pourrai. Les semaines où je vois que, bah clairement, oui, je peux me permettre de vous faire un épisode en plus, je le ferai. Parce que vraiment, là, c'est pour vous remercier, voilà, pour avoir atteint les 200. Je trouve ça vraiment génial. Parce que sans vous, bah, l'aventure YouTube servirait à rien, clairement. Donc, voilà quoi. C'est important de remercier les gens, je pense, d'être là. Donc ici, il n'y a plus rien. On va aller de l'autre côté. Wow. On entend. On entend un zombard. Zombie, tu es où? Zombie chérie, je veux te parler. Faut que j'arrête un peu les conneries des fois. Ah, c'est du sel. Ok, donc on aura des recettes à faire avec. Alors. Ah, mais il est là! Salut, zombie! Wow! On se calme, on se calme, on se calme. Monsieur le zombie. Alors, je vais ramasser tous les minerais qui traînent et je vous reprends après pour la suite de l'exploration de la grotte, les amis. Alors les amis, voilà, c'est parti. Donc je suis stuff full copper. Je me suis fait un petit seau, je me suis fait un bouclier, je me suis fait une hache et une pioche en fer. Donc c'est parti, on va pouvoir sortir et aller affronter du mob. Hop, s'il y a besoin. Donc là, on va juste essayer de courir. Et essayer de trouver un village. Je sais pas qui m'a tapé. On speed les amis. Le jour va se lever, ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on va tomber sur quelque chose ou pas? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un petit coin custom. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la génération, elle est assez chaotique quand même là. C'est un cran plus bas que l'eau. Ouais, c'est un peu space leur histoire là quand même. Et c'est assez joli leur petit lampadaire là. Bon bah vous voyez là-bas il y a un puits de pétrole. Bah, il va falloir explorer, il va falloir que j'explore pour trouver un village et qu'on puisse s'installer dedans. Voilà, ouais, on va essayer de faire ça. Bon, écoutez, on va aller par là. Oh, ça. Par contre, la nage me manque. Je vais pas vous mentir, la nage de la 1.14 me manque quand c'est comme ça. Ah, oh, il y a des vaches. Ouh, il y a des vaches. On va pouvoir les tuer. On va pouvoir avoir de la bouffe. Steak en vue, les amis. Vite.
Ah, on a une île de Tinkers là-haut. Ouais, l'île à slime. On va pas y aller de suite, hein. Oh, d'accord, la lave est en train de se générer là-bas. Oh, il y a une côte-côte. Il y a une petite poulette. Alors, ce qu'il y a de cool dans le mode pack, c'est que j'ai ajouté le golden lasso. Extra utility, parce que comme ça, on aura les golden lasso. Ça sera plutôt pratique pour quand on voudra aller chercher des mobs pour le ranch. Tac, tac, tac. C'est quoi, là? Oh, des petits cochons. Ah, d'accord. Salut, le squelette. Allez, meurs. Yes, génocide. D'accord, on a déjà plus de place. Donc ouais, je récupère un peu de gravier du coup parce que bah on en a besoin. Hein. Mais non, c'est pas possible de déjà manquer de place, les amis. C'est pas possible. Hop. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est le cuir et les côtelettes, parce que ça, c'est de la graisse. En gros, ça permet de faire cuire des choses. Donc, c'est pas extrêmement le truc dont j'ai besoin. Hop! Si on vient faire une ferme où on fait cuire automatiquement les cochons, oui, à la rigueur, ça pourrait nous servir de carburant, mais là... À part me blinder... Donc il est vraiment temps qu'on trouve un endroit où se poser, notre premier endroit, les amis. Histoire de pouvoir être tranquille. Alors, c'est parti. Ah, oh, des montagnes. Oh, regardez les arbres avec la neige. C'est beautiful. Hop. Allez, avance. Avance, hello. Encore des cochons. Donc vous voyez, il y a extrêmement de variété dans les mobs existants dans Minecraft déjà de base. Donc moi, c'est ça que je kiffe en vrai. Parce que comme ça, on va pouvoir faire un ranch digne de ce nom avec plein de bestiaux et ça va être génial. Hop, alors on va passer au-dessus. Oh, un aigle. Salut, Twin. Bon. Ouh, les ours. Je sais pas s'ils vont m'attaquer, les grizzlies. Non? Si je t'attaque pas, tu m'attaques pas? On est amis? Ok. Alors, les amis, ouais, honnêtement, j'ai pas envie de me balader avec vous pendant 10 ans. Oh, des petits panthères! Coucou! Ah, voilà, des biquettes avec des desserts. Alors, vous voyez, il y a extrêmement de faune et de flore. Voilà, et c'est plutôt cool. Mais là, je veux vraiment trouver un fucking endroit où se poser pour pouvoir commencer les choses. Parce que là, sans rien, il n'y a rien, quoi. Oh, il y a des souris. Oh. Par contre, ça, je suis pas fan. Je suis pas trop fan, les amis, là. Là, pour le coup, ça, je suis pas fan. Oula. Ah. Oula. Ah ouais, donc j'ai quand même eu un freeze. Donc, c'est assez étrange. Ah, oh, un coco, les amis. Un coco. Ok. Donc, ça jette comme les autres poulets. Moi, bien. Vous voyez, il y a beaucoup de nids et il y a beaucoup d'oiseaux différents. Donc, je sais pas, on essaiera de voir si on peut s'y pencher. Oh! C'est quoi ça? Un château! On va s'installer là-dedans! Wouh! On va s'installer là-dedans, les amis. Oh, il y a même un villageois dans le truc à côté. Allez. Ah, ça rapporte rien quand c'est pas cuit. Je pense que c'est avec le mode pack aussi que ça fait ça. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de rentrer là-dedans? Parce que je vois qu'il y a un petit villageois. J'aimerais bien aller le voir. Salut! T'es tout seul! Oh, t'es abandonné, pauvre petit pépère! Oh, bon, en plus, t'es un fermier. Je te garde. Ah non! Il y a un copain, là! Un mécanique. Ok. Salut toi! Du coup, vous êtes deux copains. Donc, je sais pas si vous pouvez vous reproduire ensemble, vu que t'es un d'un mode pack. Donc, il y a des lits, nickel. Ils peuvent faire dodo et tout. Oh, les amis! À manger! Wouh! À manger. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va s'installer ici. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ok, non.
Cœur de Forez. Bon, écoutez, voilà, on va se poser ici, dans le château, peut-être, je sais pas trop. Ah, ouais, peut-être. Ah, le premier épisode va être assez long, je pense, du coup, parce que, voilà, je m'attendais pas à... Et je vous dis, j'adore voir les mobs et tout, enfin, c'est kiffant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit château? Du blé. Pourquoi il y a des arbres dans un château? Ça s'est généré comme du caca. Alors, du bois. Ok, il y a des bobots en fer. What the fuck, man? C'est quoi ce bordel? Ok, bon. Du coup, si je veux m'installer ici, les amis, il va falloir que je nettoie les arbres. Je suppose. Nous supposons bien, je pense. What the fuck? Ah ouais, d'accord. Ah, il y a même des bibliothèques à l'étage et tout, c'est plutôt cool. Ah, mais il y avait une échelle. Ok, elle permet d'aller à l'étage aussi. Ouais, pourquoi pas. Oh, ah, il y a des citrouilles. Et de ce côté-là, il n'y a pas d'herbe planquée dans la muraille. Bon, bah écoutez, voilà, on va s'installer ici. Ce sera notre première base d'opération, en attendant que je trouve... tout simplement l'endroit où je voudrais faire notre petit ranch. Donc je pense qu'avant le prochain épisode, je m'amuserai à nettoyer un peu les arbres qui sont dans le fucking château, là, l'espèce de château. Histoire de... qu'il n'y ait pas de mob qui puisse rentrer chez nous. Ouais. Ouais, ça pourrait être un bon début. Par contre, la ruche, je sais pas trop s'ils vont m'attaquer ou pas. Oh, il y a une poupoule. Donc voilà, écoutez. Eh bah... Moi, je vous dis qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode, hein, vous savez quoi? Parce que je dois avoir un bon... j'ai un bon 40 minutes de règle, donc entre les petits cuts que je vous ferai, ça va faire un gros épisode quand même. Et je suis pas trop fan de faire des gros épisodes, vous voyez. Donc, on va se laisser ici pour ce début d'aventure. Voilà, moi, je vais m'amuser à nettoyer les arbres qui sont là, à poser 2-3 coffres. Et je ferai peut-être un petit peu de minage optimisé en votre absence pour vous retrouver avec quelques minerais au prochain épisode. Les amis, voilà ce que j'en dis. Donc je vous fais des bisous les amis, je vous remercie encore une fois d'être 200 aujourd'hui et on se retrouve demain lundi pour la vidéo de Stardew Valley. En attendant, portez-vous bien et des bisous, à la prochaine. Bye bye tout le monde.